Tout ce que j'ai.
gars. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci à vous toutes et à vous tous d'être venus ce soir pour le dernier hommage à la sœur Carole Charles Joinville. Elle était née le 7 janvier 1953. Et elle nous a quittés ce 16 mai 2024, soit à l'âge de 71 ans. Par les lois de la nature, tout naît, tout vit, tout périt. Le palmier perd sa verdure. Le citronnier perd son fruit. L'homme, il naît pour cesser d'être. Mais quand il est en Christ, ne devrait-il pas renaître? Si elle avait une vie de consécration, une vie dédiée à Christ. Mesdames et messieurs, la mort, c'est le pont sur lequel nous, les chrétiens, nous devons passer pour passer de la vie à l'éternité, de la vie d'ici-bas, bien sûr, à une autre forme de vie promise par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons ouvrir notre cérémonie par
l'audition de non c'est pas la sœur Ruth, c'est plutôt le chantre de Michel dans le chant d'ouverture de cette cérémonie de funérailles. Merci.
vrai privilégié dans sa vie. Est-ce pourquoi même dans les moments de la mort, nous devons prier? Ainsi, nous appelons notre frère Joachim ou Joachim d'Orsay dans la prière d'invocation.
devient réelle, quand elle commence à pénétrer à l'intérieur même de l'homme par des fissures du vieillissement. Celui qui a vaincu la mort, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Le Seigneur, le Seigneur. Nous allons écouter la première lecture de la parole de Dieu par notre frère Waldo Guerrier. Nous sommes debout. Nous allons lire pour vous la première lecture de la parole de Dieu. C'est tiré dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 1er au verset 5, 10. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'or. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, pour ce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit transformé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il pourra faire étant dans ce corps. Que Dieu bénisse cette portion de l'Écriture. Asseyez-vous. Si vous avez peur de la mort, ça ne va pas vous épargner de la mort. Si vous avez peur de mourir, ça ne va pas ajouter quelques années sur votre vie. Mais la mort est une victoire. Et quand on a bien vécu, le cercueil est un char de triomphe. Je crois que le groupe des Dames de Michel est là. Le groupe des Dames de Michel. Vous êtes priés de bien vouloir avancer pour présenter votre morceau, s'il vous plaît. Le groupe des Dames de Michel.
Merci à... Merci au groupe des dames de Michel qui vient de nous gratifier de son morceau. Nous savons tous que la mort, c'est une autre façon de vivre. Ce n'est pas la fin de la vie. Et ça ne pourra jamais être la fin de la vie. Car la vie est spirituelle. La vie vient de quelqu'un qui est éternel. Le cœur de Jérusalem, le groupe Cœur de Jérusalem, c'est le temps de nous présenter ton morceau.
aussi avancé que soit la science, aussi pointu que soit la technologie, elles n'auront jamais la solution de la mort. Le plus grand cadeau que Dieu a donné à l'homme, c'est la vie, c'est le don de la vie. Et paradoxalement, le deuxième plus grand cadeau que Dieu a donné à l'homme, c'est le don de la mort. Pourquoi? Parce que l'homme a perdu le premier cadeau. Et la seule manière de retrouver, de reprendre ce premier cadeau, c'est par la mort. Il faut accepter de mourir pour pouvoir ressusciter. Car il est écrit quelque part dans la Bible que si le grain de blé ne tombe pas dans la terre, elle ne germera pas. Nous appelons notre frère Waldo Guerrier dans la lecture de l'acte de Isaïe. De Carole Charles Joinville, décédé le 16 mai 2024. Liberté, égalité, fraternité. République d'Haïti. L'an 2024, de l'indépendance et le vendredi 17 mai à 8h du matin, par devant nous Edwin Cadet, officier de l'état civil, la commune de Mioga, sous-signé à comparu Chrysler Charles, propriétaire de maison et domicilié à Léogard, de la commune de Léogard. Laquelle nous a déclaré en présence de Olin Charles et de Olson Charles, tous deux majeurs, de maison et domicilié à Léogard. Témoin choisi et emmené par la comparante, que Carole Charles Joinville, né à Léogard de son vivant, propriétaire de maison et domicilié à Léogard, fille de M. Léry Chainville, propriétaire de maison et domicilié décédé, et de Mémilise Dupont, propriétaire de maison et domicilié décédé. Le 16 mai 2024, à 2h du soir, à Léogard, à l'âge de 71 ans, était l'épouse de Olga Charles. En foi de quoi, vu un certificat, avons adressé le présent acte de décès, après lecture faite par nom du diable à consigner avec la comparante, et non les témoins. Merci de votre audition. Le sage ne pense pas à la mort. Il ne pense qu'à vivre de la meilleure façon possible. Parce que la mort ne dépend pas de lui. Donc il reste indifférent vis-à-vis de la mort. Justement, évidemment, la défunte, si elle a vécu sur la terre, elle avait une histoire. Elle a vécu avec des hommes et des femmes, avec une famille, des enfants, des cousins, des tantes, des nièces, des neveux. Ainsi, nous appelons Gumps Antoine dans la biographie de la défunte. La mort n'a pas de critère de beauté. Quand elle est amoureuse de toi, elle te prend
comme tu es, avec tes qualités et tes défauts. Parole de Joseph Kombi Kekia. Né le 16 janvier 1953 à Barbo, de mère Célise Dupont, décédée, et de père Léus Joinville, décédé, Kawa Joinville, Matkao, était l'aîné d'une famille de 7 enfants. Carole Joinville, Marie-Hélène Joinville, communément appelée Balit, Ghislaine Joinville, communément appelée Macomet, Maurice Louis-Jean, communément appelé Tifret, décédé, Denise Joinville, quatre poteaux pour les intimes, Bernadette Joinville, communément appelé Fafam, et Kenol Joinville, merci Dieu pour les intimes. Cette position d'aînesse qu'avait Carole Joinville fut accaparée par Silta Joinville, leur sœur, fille de Léus Joinville, qui fut élevée par sa belle-mère, Mercélise Dupont. Caro avait d'autres frères et sœurs paternels à côté de Silta. Nous pouvons citer Smith Joinville, Léo Joinville, enfant Dieu Joinville et Chrislaine Joinville. Depuis la jeunesse, Matkao a commencé à chercher comment pour combattre avec la vie. Il a commencé à chercher côté la vie en bas. Ça fait qu'il a vendu cassave avec en bas, pain avec en bas, Zaboka pour ne citer ça seulement. Il n'est pas seulement contenté avant de vendre des articles ça seulement, mais tout il a appris coup. Il une façon pour être bien armé, pour être capable de gommer avec la vie. Si vous avez besoin d'une belle chemise, d'un bel pantalon ou d'une belle robe, Matkao est prêt pour te faire ça sous des t-shirts. Pendant que vous êtes sous terre, vous avez rencontré un monsieur qui a été tombé d'amour l'un l'autre. C'était monsieur Olga Charles. Le monsieur était tellement vite proche, ça t'a pas fait yo marié dans l'année 1976. Ensemble, nous avons fait 5 petites. Olson Charles, Chrislaine Charles, se nomme Hélène, Colin Charles, décédé, Lonise Charles, petit poupon pour les intimes, et Olguin Charles, communément appelé Marché. Quatre petits saillots, donc n'oubliez pas de dire Olson, Olguin, Chrislaine, Lonise, puisque Colin lui-même est décédé. Quatre petits saillots, tu as pas mis ensemble, nous avons travaillé à Macao, 9 petites petites. Dalika Charles, Kengo Joinville, Julie Charles, Ol Elandi Fils Moïse, Chris Mai Ken Wave, Ol Getori Moïse, Dalensky Moïse, July Kent Charles, Julensky, Sachi, Charles et Zurka, Charles. Ça pas traité là seulement. Yota Bay, Matkao, yo petit, ça nous est arrière petit-fils là, qui c'est Joey, Mab, Yukensky, Augustin.
Nous pas oublier Dieu, mon carreau, c'était un gros cultivatrice. La pluie à soleil, c'est un pas de fait, mais nous pas de fait comme tout gros soleil chaud, il était contre route là, et tout gros soleil chaud, il était contre lui, dans le jardin, puis au triche. Et c'était un plaisir pour te voir, il était marché, tellement il était rapide. On dirait même l'autre là, il y a un fusé derrière lui, les lignes passées, ou pas qu'arriver dans la ville. Et c'est ça qui fait au la valise, maintenant, tu marches, c'est tellement une thérapie, les étapes marchées. Parmi toutes les qualités, mon carreau te gagné. Nous avons dit que c'était un monde qui était généreux. Tout ça, mon carreau te gagné, c'était pour l'autre. Il était difficile pour dépasser par mon carreau. Pour aller sans rien, à moins que les batailles n'aient rien du tout. Eh bien, dans l'année 2020, mon carreau vient tomber malade dans une. Ça a été venu opérer dans l'autre dans le génie. Et c'est la maladie d'avoir ouvert une porte de la vie, mon carreau, une prochaine chita bien installée. Côté une porte de la vie d'avoir ouvert. De temps en temps, c'est au douleur. Et les hommes demandent à vous, qui ça qui appelle mal? Qui parle même cadeau? Qui ça qui appelle mal? Mais qui va se la coller? Qui appelle mal? Dans l'année 2022, soit 2 ans après, maladie a été un rôle face. Côté, il a été un cadeau, un cabane. C'est la colère maladie a été un cadeau. Côté n'y pas de la chance pour te camper sur des pieds encore. Eh bien, j'ai dit qu'il est 16 mai 2024 là, mon carreau rentre des soufflés à 71 ans. Abraham Lincoln a déclaré: ce qui compte, ce ne sont pas les années qu'il y a eu dans la vie, mais la vie qu'il y a eu dans les années. Mon carreau te fait un choix qui est intelligent pendant la vie, il soutient ça. Il était d'accord pour mettre la vie dans l'année, il soutient ça. Il était d'accord pour accepter Jésus, lui-même qui c'est la vie. Jésus lui-même lui déclarait: c'est moi-même qui ai levé mon nom qui mourit. C'est moi-même qui bat la vie. Mon nom qui mettait confiance en moi. Donc, il faut vivre même si on veut mourir. Jean 11, verset 25. Depuis la Genèse, ma carreau qui passe confiance dans le bon Dieu. Il était battu pour travailler le bon Dieu. Côté de conchanté dans le courage, l'église ici a accompli l'autre tâche encore pour vous Seigneur. C'est ça que fait. C'est vrai après-midi. Nous sentons tristes parce que mon carreau était cher pour nous. Mais tout de l'autre côté, nous avons dit, nous sentons contents. Parce que nous avons l'assurance, dans le jour où ils sont morts, nous avons ouvert un corps. Laissez-nous avoir ouvert avec nos corps glorieux, nos corps pour des maladies. L'amour n'a pas bien pouvoir se lire encore. Et ensemble avec lui, nous sommes capables de voir nous avoir un jour. Pour nous chanter le roi de Dieu qui va jamais finir. Nous espérons les paroles sérieuses pour des consolations pour la famille. Pendant que nous chacun là, nous avons avec la vie famille. Merci. Lorsque la France est avec un mot par nous, nous voyons un événement qui est très très loin. Lorsqu'on parle à nos proches, nos mourir, nous sentons d'avoir rapproché de nous. Et le sang que nous sauter, le sang commence à peur. Parce que nous voyons l'amour exister réellement. Parfois, l'amour qu'on l'aide,
parfois la mort un plus bon moyen pour sortir de nos calamités, de nos souffrances, de nos misères. L'Assemblée est, une fois de plus, priée de se mettre debout pour écouter la deuxième lecture par le frère Fanel d'Orsay. Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'air. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Merci, vous pouvez vous asseoir. Il y a une pipeau évidence qui gagne, c'est que depuis le jour où vous faites là, vous commencez à mourir. Depuis le jour où vous faites là, vous commencez à vous rapprocher de la mort. Les parents vont mourir pour qu'ils grandissent. Ils vont grandir pour qu'ils vieillissent. Et ils vont vieillir pour qu'ils mourir. En conséquence, on commence à mourir le jour même de notre naissance. C'est là l'une des grandes évidences de la vie. Tout ça nous fait pour nous mourir. Et nous mourir un jour. Si c'est pas Jésus qui devient clé de la mort et du séjour des morts, on va comme ça d'après. Nous appelons le frère Désilus Nelson dans la prière pour la famille. L'Assemblée est priée de prendre la position verticale encore une fois.
Nous allons prier pour la famille. Fermez vos yeux. Rien n'est plus affligeant que la mort du cœur. La mort de l'homme est secondaire. Seigneur, tu as été pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la mort nous est arrivée. Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de consolation, Dieu de faveur, à cette minute présente, Seigneur, nous approcher vers le trône de grâce et pour nous demander qui choye pour la famille Sayo, la famille Charles, la famille Joinville et toutes les autres familles proches, amis affectés par ce départ. Seigneur, nous connaissons pertinemment que la mort crée vite dans nous. Et vite ça que la mort crée dans nous, Seigneur, nous pas gagné un monde qui est capable de combler. Mais nous croyons que nous gagnons comme Dieu de consolateur. Ou même qui est pour voir que l'homme pas gagné. Séparation, ça y est extrêmement dur. Mais nous croyons que Seigneur, pour tout le monde qui place confiance dans nous-mêmes, la mort pas yon de fête pour nous. Mais nous va dire, tout comme l'apôtre Paul te dit, la mort nous est un gain. Mais Seigneur, nous ne sommes pas capables de dire avec propre capacité que nous gagnons. Et si toutefois, nous ne pas déverser puissance cet esprit dans la vie. Nous. Seigneur, famille Sayo, pas gagner un lien pertinemment qui est capable de consoler que vous-même. Nous croyons que vite sacré dans vous-même, dans Seigneur, eh bien, dans force par où, dans pouvoir par où, Seigneur, on va combler yo. On va avoir tout ça qui est nécessaire pour être capable de continuer à vivre. Glou qui dans les yeux, oh, Seigneur, nous croyons que vous êtes capable de sécher parce que vous êtes Dieu consolateur. Bénis au Seigneur, assistez yo, pas quitter au seul. Petit yo, petit yo, cousin, cousine, tonton et nièce yo, Seigneur, et même voisin, voisine qui t'a vivre ensemble avec soeur, Carole, Charles Joinville, nous demandons au Seigneur, on va faire grâce. On va toucher, on va bénir. Et on va mettre dans le cœur, reste famille, ça, Seigneur. Après que chemin, ce parole te fait, yo même que vous va faire. Afin que vous dernier jour, pour vous pas aller net. C'est lui que nous devons assurer, Seigneur. À l'occasion de la célébration de la vie de notre cher sœur. Nous demandons, Seigneur, tout ça nous dit qu'il n'y a pas de dit pendant la cérémonie, ça. On va retrancher, yo. Et ça qu'il n'y a pas de dit qu'il n'y a pas dit, Seigneur. On va ajouter, yo. C'est pas dans nos pâmes, nous prions matin, après-midi, en Seigneur, mais nous prions par le pouvoir de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci. Merci, mon frère. Si vous méritez 24 temps pour vivre, qui ça va faire? Il y a des gens qui chantaient sous ça. Il y a pas de tête. Si vous avez 24 temps pour vivre, qui ça va faire? Si vous avez mourir demain matin, vous avez une certitude que vous allez mourir demain matin, qui soit fait pendant le reste du jour, pendant le reste de la journée. Chaque jour, nous vivons les gens qui mourent. Chaque jour, nous vivons les gens qui mourent. Chaque jour, nous vivons les gens qui passent. Mais nous ne pouvons jamais finir habitués à la mort. Nous ne pouvons jamais voulu mourir nous-mêmes. La preuve, si on empêche de respirer, si on bouche bouchou avec néon, on a tellement pas de corps parce qu'on ne voulait pas mourir. Va aller. Et c'est normal parce que nous avons en nous le goût de l'éternité. Dieu a déposé en nous le goût de l'éternité. C'est ça qui fait de pas aller, ne pas aller, détruire, ne pas aller mourir.
Nous avons un chant spécial par ECRJ. Les enfants de l'ECRJ, on vous attend dans votre chant spécial. Je suis profondément attristé par la mort de Madame Carole Charles Joinville. Donc, au nom de l'école chrétienne de Faujac, je présente mes sincères condoléances à la famille Joinville, Charles et à tous ceux qui sont proches de la défaite. Si la mer s'est déchaînée, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur. Quoi en Jésus?
Dieu n'a pas dit. Il a dit. Il n'a pas dit. Oh, il n'a pas dit. Et c'est Jésus ça que l'on fait ressusciter. C'est Jésus ça que Jean t'a pris à le roi. Lorsque voit ta poêle dit, viens ici, monte ici. Et que Jésus ça t'a pris dit, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est espérance ça nous gagnons. C'est pas un souhait que lié, son espérance. Bon, grande différence entre souhaiter et espérer. Il est écrit que l'espérance ne trompe point, car l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors nous n'avons pas de crainte, nous n'avons pas de peur. Parce qu'on joue, nous n'avons pas affronté la mort quand même. Nous avons des fanfares pour le préparer. Pour le présenter, non. Deuxième numéro. Bonne écoute.
et après résurrection, la mort prend dans l'autre sens. Parce que personne ne va arriver vaincre la mort. Il aura fallu la mort et la résurrection de Jésus. Oui, Jésus est au centre même de toutes choses. Jésus, c'est le principe même de la vie. C'est la cause de notre existence. Et c'est lui-même qui, je dis, a une autorité sur la mort. La mort est une autorité sur l'homme à cause de la transgression de nos grands-parents. Mais je dis à Jésus-Christ qui est autorité sur la mort. Et nous ne pouvons pas suspendre. Nous avons un Dieu qui a détruit la mort et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité. Nous appelons le groupe Galizol. Le groupe Galizol. Il va nous présenter son morceau. Et c'est pratiquement le dernier à pouvoir nous présenter le morceau pour cette circonstance. Merci et bonne audition.
après toute bagarre, on n'a pas fait du silence. On peut suspendre aller retour, on a suspendre marcher. Parce que nous pouvons attendre Pasteur non. Pasteur Colbert dans le sermon de circonstances. J'ai bien dit, non? Moi et l'Assemblée de Michel souhaitons le bon courage pour ces carottes. C'est le bagage que nous souhaitons. Chaque monde pensait dans la vie païo poser des questions. Félicitations. Il a verset 10, 11. Il dit un homme qui a vu 70 à 80 années. Mais s'il est de bonne santé, il a vu à 80 années. Et nous-mêmes, je tiens à devoir nous se penser à nous-mêmes. Nous n'avons pas qu'à penser encore à la vie Carole, parce que mon flop va chiver, mais nous ne connaissons pas qui côté Carole y est. Pas connaître s'il est sauvé, s'il est perdu, on n'a pas dit ça. On n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire ça, on ne pas connaître. Mais tout ce bagaille, les Moïse nous fait mention combien de temps un homme qui a vivre. Il dit, il fait prier ça. Dans le verset 12, ou 90, il dit Seigneur, enseignez-nous pour nous bien compter les jours. Nous n'avons pas qu'à réaliser c'est combien de jours temps va vivre. Est-ce que c'est 80, est-ce que c'est 100 ans? Et même là, on devient 150 ans encore. La vie pour ça. Et pas ça, Moïse parle. Même nous dit, c'est pour nous bien protéger. C'est-à-dire chaque jour levé, pour qu'on prie pour faire, pour marcher droite dans mon Dieu. Pour marcher bien en volonté de mon Dieu, pour faire ça que mon Dieu veut nous faire. Par contre, si c'est qu'on s'en fait, si c'est qu'on s'en pense, mais c'est qu'on s'en lié. Mon Dieu m'a parlé de la taille naturelle à l'heure. Il s'est enseigné, nous bien compter, Julio. Étienne, bien compté Julio, à 16 ans. Tandis que, il y a un monde qui a eu 100 ans, qui mal compté Julio. Et qui t'aime dire, Paul, l'apôtre Paul, a gardé de l'autre, avec nous en parler. Pour nous cacher ce qu'on prie, nous n'y avons pas de parole. Parce que même quand on prie, il va pleurer. Même quand on prie, il va pleurer. Ça fait la vérité. Mais Paul, dans 2 Corinthiens 5, va-t-il comment à qui croit
poussé. Mon corps est peut-être pas chaud malade, ni mourir. Mais là, pour arriver dans les 8 des Corinthiens 5, il dit des choses très importantes. Il dit, Seigneur, non, il dit, nous avons mieux de quitter ce corps. D'arriver pour quitter quoi ça, bien. Et ce travail, ça nous a besoin de faire le tien. Pas besoin de crier. Mais qu'on est là, rejoignez à nous-mêmes. Pensez à nous-mêmes. Si c'est moins, et non seulement si c'est moins, ou bien pour la nous. Et c'est pas le tien. Ou en quittant les mains pour réfléchir au travail selon la volonté de Dieu. Et pour nos travail, pour nous héritier, bon Dieu, nous mettre face à face. Et l'idée enseignez-nous. D'arriver bien dans des Corinthiens 5, 8, d'arriver pour nous quitter quoi bien. Et puis, pour m'aller, mal dit bon, auprès, bon côté, mon Dieu. Je vais s'énerver. Il dit, c'est peut-être ça, tout. Nous devons efforcer. Nous devons efforcer, nous, pour nous agréer à Dieu. Là, nous avons dû réfléchir. Est-ce que nous avons une vie qui est agréable? Parce qu'il y a des gens qui connaissent depuis l'église, ils sont vivants. Depuis l'église, ils prennent dans le ciel. Là, c'est faux raisonnement. Vous pouvez vous l'église chaque jour, vous pouvez prêcher tout le temps. Mais si vous ne travaillez pas dans le ciel, vous avez toujours été dans la terre. On est un monde qui n'est pas content. La déclaration, ça a fait. Mais nettement sans vérité. Que vous voulez, que vous parlez, et pas l'église seulement pour aller. Mais l'église, c'est le premier chemin. Hein? C'est route-là. C'est là pour faire, pour vous la vie, mon Dieu. Pour une parole, mon Dieu. Pour nettoyer, pour porter, pour sanctifier. Nous conseillons, pas crier encore. Pour si nous allons, l'aller mettre. S'il bien travaille ou bien travaille, et bien nous va rencontrer dans l'éternité, mais nous ne pouvons pas dire ça, la réunion. Mais nous ne connaître. Si c'est route ça a fait, si c'est là, nous ne pouvons pas voyer l'année. Chanter entièrement, ce n'est pas pour moi, ça va rien pour moi. C'est pour consoler la famille, pour consoler les amis. Mais chanter entièrement, c'est pour travailler, pour jouer un chemin. Mettez-vous directement. Avec le Seigneur. Souhaitez que le Seigneur bénisse. Nous n'avons pas gagné trop de temps. Nous seulement prenons un temps pour nous conseiller. Mais si tu as gagné temps, nous avons besoin de plus de conseils toujours, plus d'aide toujours. Bon Dieu bénisse.
voulons remercier tous les officiants, notre pasteur Colbert Guerrier. Nous remercions le frère Joachim ou Joachim Dorsey, le frère Waldo Guerrier, notre bien-aimé frère Fanel Dorsey, merci à vous. Merci au frère Cérès Colli. Merci au chantre de Michel. Merci à notre fanfare de l'église pour ce morceau. Merci aussi au groupe des dames de Michel. Merci à notre frère Guillaume Saint-Antoine. Merci au groupe Cœur de Jérusalem. Merci à vous. Merci au groupe de l'école chrétienne de Fonjacques pour avoir chanté ce beau morceau. Merci au groupe Gardisol. Merci à vous. Merci infiniment. Merci à chacun de vous. Merci à chaque personne qui ont quitté leur maison, leurs affaires pour venir ici rendre un dernier hommage à la famille. À la famille Joinville et Charles. Mes sincères condoléances, mon frère Olson Charles, aussi à ta femme et à tes enfants, aussi bien qu'à tes parents, tes neveux, tes nièces, tes cousins, tes oncles, et j'en passe. Merci aux musiciens d'avoir été les nôtres. Merci à tous ceux qui ont filmé l'événement. Merci au corps, comment il s'appelle, je ne sais pas. Merci d'avoir aligné une haie de sécurité, justement. Merci à chacun de vous pour votre présence. Nous savons et nous avons la certitude que vous serez bénis par notre Père Céleste au nom de Jésus-Christ. C'est pratiquement la fin. Nous avons notre frère Cérès Colli dans la prière finale et la bénédiction. C'est notre pasteur. Nous avons mis des mots, nous sommes capables de prier pour nous mettre des frères sur le monde, à la gloire de Dieu. Nous n'avons pas décidé d'aller, nous avons fait tout. Coupez tes noms. J'ai tout mis ça, papa, nous dans celle-là. Nous devons toujours nous remercier pour ne pas s'accouver. Nous devons remercier après-midi. Une grandeur pour capacité ou bien veillance. Il fait côté de nous, tu es béni. Et tout le monde qui est sous la forme, ou tu es une cérémonie, ça n'est pas possible. La demande va toujours aider nous. Et même j'ai un pasteur qui a parlé là, ça va courager nous. Pour nous capables toujours aimer les paroles dans le cœur, dans l'esprit. Pour nous capables de transformer le corps que nous gagnons dans un corps incorruptible. La demande va aider nous. Béni chaque monde qui était là, chaque monde qui était quitté la caillou, qui était venu là, qui était pour assurer la cérémonie, la commande aussi a dit aidez-nous, que chaque monde va séparer, que vous pouvez monter machine, que vous pouvez monter moto, etc. La commande va aider, que vous pouvez aller à la caillou, bien nous prions dans le nom de Jésus-Christ, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Inclinez-vous pour la bénédiction. Que le Dieu des Pères nous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, âme, le corps et l'esprit, soit conservé irrépréhensible lors de son avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse après-midi. Que bon Dieu garde. Amen. Merci.
Thank you.
Thank you.
Yes, you stay there, go, allez.
après musique à monsieur. Know what it is. Oui.
allez, pose-la. Thank you.
mal le doigt. Bon, comme ça, regardez. Bon, ouais, comme ça. Et vous voir sortir. Ça, son premier. Bon, deuxième. Ah. Mes amis, non, pas pour non. Ma bon. Virez poster et poster comme ça. Ok. Ça,